Ce mercredi 26 juillet 2023, l'acteur hollywoodien John Travolta a posté une vidéo compilation sur son compte Instagram de son dernier périple au Japon, effectué en compagnie de ses deux enfants, Ella et Benjamin. Tout comme bon nombre d'individus durant les mois de juillet et août, place aux vacances pour la petite famille Travolta. Après s'être offert une escapade à Las Vegas pour ses 69 ans en février 2023, la star hollywoodienne révélée dans Grease, qui a rendu un émouvant hommage à sa partenaire de jeu, feu Olivia Newton-John à la dernière cérémonie des Oscars, a publié ce mercredi 26 juillet 2023 sur son compte Instagram une vidéo souvenir de son dernier voyage au Japon, effectué en compagnie de ses deux enfants, Ella et Benjamin Travolta. Un voyage riche en activités pour les Travolta dévoilé sur le compte Instagram, la vidéo compile les souvenirs du voyage et montre le beau programme que cesse de réserver la petite famille Travolta au pays du soleil levant. Au menu, champagne qui coule à flot dans le jet privé, balade à Tokyo, photo au sommet de la gigantesque Tokyo Skytree, bonne ripaille, ou encore journée au Super Nintendo World, une zone thématique emblématique des parcs Universal dédiés à l'un des mastodontes du jeu vidéo, Nintendo. Les fans de la vedette de la fièvre du samedi soir, également inoubliable en gangster dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, peuvent voir le trio embarqué dans le Shinkansen, célèbre train à grande vitesse nippon. Le cadet Benjamin a aussi profité de cette escapade japonaise pour développer sa fibre animale, en nourrissant notamment des chimpanzés dans un zoo, et en caressant des hiboux tout kawaii, qui signifie mignon en japonais. Une période difficile pour John Travolta et ses enfants, de belles vacances bien méritées pour John Travolta et sa famille, qui sortent de deux années compliquées sur le plan émotionnel. La raison ? Le décès d'un cancer du sein le 12 juillet 2020 de Kelly Preston, épouse de l'acteur. De l'union du couple sont nés trois enfants, Jet Travolta en 1992, mort tragiquement le 3 janvier 2009 d'une crise cardiaque. En 2000, Ella Travolta voit le jour. Puis c'est au tour de Benjamin Travolta de pousser ses premiers cris le 23 novembre 2010, pour le plus grand bonheur de ses parents. Supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir la publication de John Travolta.